Salut tout le monde, Eric Le Gotchik à la gomme musique. Alors pour vous aujourd'hui, un réenregistrement d'un ancien tuto que j'avais fait paraître en 2014 sur YouTube. Je suis retombé dessus par hasard et c'est vrai que la qualité graphique était pas au top et dans les commentaires les plus récents, les gens avaient tendance à se plaindre de ça, ce que je peux comprendre. Donc du coup je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de temps en temps de piocher dans un ancien tuto et de le remettre à jour avec mon matos et mes connaissances de 2023. Donc si vous avez des suggestions de titres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et aujourd'hui, enfin, c'est la fête, c'est la première fois que je vais pouvoir réenregistrer avec ma nouvelle Taylor, oh yeah. Donc comme vous le savez peut-être, j'ai eu pas mal de petits soucis techniques avec cette nouvelle gratte. Soit elle frisait, soit elle était pas juste. Ça a pu être réglé grâce au luthier du Shop. C'est une très belle boutique qui se trouve dans le 9e à Lyon. L'équipe est géniale, super accueillante, souriante, surtout à l'écoute, c'est assez rare pour être signalé. Donc si vous êtes dans les parages et que vous avez besoin soit d'acheter un instrument d'occasion ou de faire des réglages sur vos guitares, vous y allez et vous dites que vous venez de ma part, je pense que ça leur fera plaisir. Voilà, donc juste avant de se lancer dans les explications, si l'intro vous a plu, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre petit pouce bleu. Si c'est fait, eh ben je vous propose qu'on s'y mette. Alors pour bien démarrer à la main gauche, on va se placer sur un accord de La mineur, ok? Mais pour une fois, on va pas placer ce doigté là, on va inverser le majeur et l'annulaire, parce que tout de suite, au bout de la cinquième croche, on aura besoin que celui-là, il se décale. Donc ça, c'est vraiment le meilleur doigté pour démarrer. À la main droite, vous allez placer le pouce sur la corde de La, ok, et l'index, le majeur et l'annulaire sur les trois cordes aiguës. Et ces trois doigts-là sont assignés à résidence. Vous avez besoin du Sol, ce sera forcément l'index, le Si, ce sera le majeur, le petit Mi, ce sera l'annulaire. Le pouce, quant à lui, aura le droit de gratter donc soit le La, par lequel on commence, soit la corde de Ré, d'accord? Donc lui, il joue le libéro. Donc on démarre gentiment en faisant ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, dans la mesure 2, vous allez pousser l'annulaire une case à droite. On se trouve donc sur un accord de Fa majeur 7. Et vous refaites la même séquence de picking, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que vous avez fait ça, on va aller chercher un Fa dièse demi diminué. Donc en fait, c'est comme le Fa majeur 7, mais on va chercher la quatrième case de la corde de Ré, donc une case après l'annulaire. Pour y arriver, ce truc-là, faut pas que votre pouce soit là-haut. On peut le faire, mais franchement, c'est chaud. Faut mieux mettre le pouce au dos du manche et ouvrir la main un petit peu au niveau du poignet, comme un barré. Ok? Et là, vous faites la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que vous l'avez réussi, celui-là, vous avez fait, franchement, un des trucs les plus embêtants. Vous allez revenir sur le Fa majeur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Génial! Je vous refais tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va revenir sur le La mineur du départ. Et là, on fait que 4 croches dessus en faisant 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, corde de Ré, Sol, Si. Après, j'enlève ce doigt-là, donc c'est un La mineur basse Ré. Je refais pareil. 1, 2, 3, 4, super. Après, je mettrai l'annulaire en troisième case de la corde de La, La mineur basse Do. Donc là, enfin, mon pouce de main droit va venir appuyer ici pour justifier le fait qu'on appuie là. Et on fait pareil. 1, 2, 3, 4. Et quasiment pour terminer cette séquence, je descends l'annulaire en deuxième case. Donc La mineur basse Si. 1, 2, 3, 4. Encore cette séquence. 1, 2, 3, 4. Basse Do. Basse Si. Et dès que vous êtes rendu ici, on va se replacer sur le La mineur initial. Et là, on a 4 mesures avec un petit arpège trop joli qui donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, donc là, j'ai vraiment joué deux fois de suite. Le pouce, c'est beaucoup plus confortable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on refait pareil. Et pour terminer, rendu ici, on va faire une reprise de ce qu'on a fait de la partie A, avec évidemment un petit motif différent à la fin, histoire de varier, et d'amener ensuite la partie B. Je vous refais donc un petit coup toute cette partie A, j'enchaîne sur le A', et après direct on voit la suite et fin. Ah oui, petit détail pour que ce soit joli niveau nuance, dès que vous tapez le pouce, et bien spécialement cette note-là, vous allez essayer de la jouer un peu plus fort, de manière à ce que ça fasse sortir une espèce de mélodie fantôme comme ça cachée. Donc. Ouais.
là que ça change, c'est trop joli, ça fait... Yeah. Alors j'ai fait quoi? Je suis en Fa majeur 7. Je le fais descendre en deuxième case, ce Fa. 2, 3, 4, 1, basse Ré. Ok, ensuite je repars là-dessus. Et puis Do, Si. Et là, si vous voulez, on peut revenir enfin sur un La mineur avec le doigté normal, bien que celui-ci fonctionne aussi. Mais comme c'est pas super confort, je préfère revenir là-dessus. Et là, je fais 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est la même chose que tout à l'heure. Sauf que ce coup-ci, on s'arrête là-dessus. Et nous voici rendus sur la partie B. Alors cette séquence, je la kiffe, c'est celle qui donne ça. Voilà, c'est toujours ce petit bout-là qui pose un petit peu problème, on va le voir pas vite. Alors je suis en Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après je descends en Do basse Si. Et là je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Hammer-on en 3 du Si, je l'ai foiré, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, petit Mi, je retape 3, et pull-off, yeah. Donc dès que vous faites un hammer-on ou un pull-off, ce qu'il faut éviter, c'est genre les trucs où le hammer-on va arriver, il est trop tôt. Allons, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout droit. Ensuite, on va se placer sur un La seconde suspendue. Et là, on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Sur la huitième croche, je vais grimper, je vais slider jusqu'à la cinquième case, donc corde de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, dès que j'ai fait ça, je rajouterai le petit doigt, corde de si, cinquième case, et ce sera le premier temps de ma mesure d'après. Encore ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, ok. Si vous êtes rendu là, après ça va. On va faire 4, 3, corde de sol et si, 2, 1, ok, et puis 0, 0, 0, sol, si, sol. Quand ces deux mesures-là d'un peu plus près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yeah. Vous gardez bien le poids des doigts, hein, dès que vous avez fait... Ça va créer des petits slides comme ça, et c'est très joli. Vous en occupez pas des slides, essayez juste d'être bien régulier dans votre découpage. Donc dès que vous avez fini ça... On va retrouver à nouveau le Do majeur. Do basse Si. Hammer-on. Pull-off. Et là, on retrouve la seconde suspendue avec un petit truc bonus à la fin. Excellent. J'ai fait ça. Je suis en La seconde suspendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais slider ce doigt-là jusqu'à 9 cordes de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais placer le majeur en 8e case du petit Mi. On a une sixte là, hyper classe. Et ensuite, 7, 7 sur les deux mêmes cordes. Et une fois que vous savez jouer cette partie B, vous êtes sorti du sable, puisqu'il va juste nous rester la réexposition du thème initial, avec une petite fin à nouveau différente, qui est ultra classe également. J'adore cette pièce, voilà, tout est beau là-dedans. Donc je vous refais juste d'un peu plus près comme ça cette partie B à nouveau, et on voit la fin. Et là, je secoue un peu la guitare, parce que ça fait joli d'avoir du vibrato comme ça. C'est mieux si
on rate pas les cordes. Et là, on voit la fin, on repart sur le La mineur avec le doigté initial. Pousse, pousse. Pousse, pousse. Quand je dis pousse, c'est que je tape plus fort. Pousse, pousse. Ça, c'est exactement comme la partie A. Et voilà le finish. Je reste en La mineur. J'étais sur le La mineur comme ça. Quand je tape ma corde de Si, je garde le poids de l'index et je le fais slider jusqu'à la cinquième case. Et après cette cinquième case, je vais écraser l'index pour choper le 5 du petit Mi. Ouais. Donc les autres doigts, ils restent pas enfoncés, hein, sinon c'est un petit peu le bazar. Que l'index, je l'écrase, je tape la corde. 7, 8. La, Si, Do, ok. Et quand vous avez terminé ça, on va trouver un accord assez inhabituel. Il s'agit d'un La mineur, en fait, mais avec un doigté assez étrange. On a une petite triade ici qui donne 10, 9, 10 sur les cordes de Ré, Sol, Si, ok. Et je vais rajouter en plus le petit Mi. Fais la mise au point sur mes doigts, caméra. Voilà, arrête de viser ma tête. Donc 10, 9, 10. Et 12 du petit Mi. Cet accord-là, alors déjà vous le grattez. Depuis la corde de La, hein, c'est un accord de La mineur. Moi ce que je vous suggère, parce que c'est quand même pas évident d'arriver avec notre plan qui le précède là, à tout passer, tout placer d'un coup, moi je balance d'abord le La à vide, ce qui me laisse un petit peu le temps de mettre en place les quatre autres doigts derrière. Donc genre... La vide, et après, je balance mes quatre petites notes. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que cette remasterisation était à la hauteur. Si c'est le cas, ben vous laissez votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, le petit abonnement, le partage auprès de vos amis. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt, ciao.